Mais la 4, Jonathan aurait dévoilé les noms des gagnants par erreur. En faisant une vidéo Snapchat, Jonathan aurait dévoilé par erreur le nom des gagnants de Mela 4 en filmant le trophée décidément. Les candidats de Moundir et les apprentis aventuriers 4, Mela 4, et des autres saisons ne savent pas se tenir. En effet, si vous vous en rappelez, Julien Bert avait dévoilé, avant même le dernier épisode, qu'il avait remporté le programme avec Mia. Cette année, un nouvel aventurier aurait fait la même erreur. Comme l'a remarqué le site Télé Loisirs, Jonathan a récemment publié une story sur Snapchat pour commenter un épisode. Jusqu'ici, rien d'anormal. Toutefois, le jeune homme aurait filmé par erreur le trophée remis au gagnant. Comprenez donc que lui et Sarah Alopé seraient ressortis vainqueurs de cette saison. C'est à se demander si la production ne demande pas aux gagnants de se filmer en dévoilant le résultat final avant le dernier épisode. Mela 4, Jonathan, en couple avec Sarah Lopé. Même si Jonathan a filmé le trophée de Mela 4 par erreur, le jeune homme n'a pas pour autant filmé Sarah Lopé. Certains fans se demandent donc s'ils sont toujours ensemble. Car si vous suivez l'actualité du programme et du binôme, vous n'êtes pas sans savoir que les deux sont en couple. D'ailleurs, le beau gosse l'a reconnu dans un entretien accordé à Sam Zira il y a quelques jours. C'est une expérience magnifique. Aujourd'hui, on est ensemble, ce n'est plus un secret. Mais elle y sera toujours. Mais c'est la première fois de ma vie où je me dis que je peux me projeter. Je ressens beaucoup d'affection. Et je n'ai jamais été en couple longtemps. J'ai 29 ans. Je n'ai pas peur de découvrir qui je suis en couple. Le plus longtemps c'était 6 mois. J'ai toujours besoin de trouver quelqu'un d'unique et différente de toutes. Le candidat de Mela 4 a confirmé sa relation sur Instagram, en partageant un cliché avec Sarah Lopé. Accompagné de la légende suivante. Ce n'est pas une déclaration mais juste l'envie de te dire que je suis fier de toi @Sarah Lopezoff et fier de nous pour ce que nous vivons. Êtes-vous heureux de notre victoire? Et surtout heureux pour nous d'avoir enfin réussi à franchir le capital. Et à nous donner notre premier bisou.